Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer. Ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes lundi et le lundi c'est enfin jour en I. Et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalaches, voici tout de suite le 977e épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui, nous visitons le camp de Isart. Appelons-le Is. Alors que ce matin, les enfants, nous popons dans la forêt. Nous sommes très proches de l'entrée de Flatwoods, du rétif juste avant. C'est le rétif là-bas et dans le prolongement, on arrivera à Flatwoods. Après, le camp du jour, il est installé ici. Il est en bordure de route et c'est une construction que j'ai trouvé très sympathique, même si j'ai du mal à définir exactement ce que c'est. Regardez ça. Je vais prendre un petit peu de hauteur en mode paparazzi. C'est un ensemble de trois constructions avec un parking, les enfants, et un parking customisé, hein, un parking vraiment fait main, qui est assez incroyable. Installé en bordure de route, moi j'aime beaucoup la manière dont ça a été placé. Vous avez une haie, hein, cette haie toute fine verte. Vous avez également des éléments de défense avec un demi-pan de mur en briques. Vous avez la même chose exactement de l'autre côté de ce qui est une barrière. Et oui, c'est une simple barrière qui est installée là. Et c'est une barrière avec des câbles électriques. Elle est faite en câbles électriques, vous voyez. Et elle est prête à être relevée à un moment. Vous avez le poteau ici. Il faudra un garde-barrière, hein, normalement, pour lever la barrière et vous permettre de passer avec votre voiture pour venir vous stationner. J'ai trouvé l'idée avec l'esplanade en béton, le parking, vraiment très bien trouvé, très bien pensé. Je trouve également que la construction des différents bâtiments qui mêlent à la fois du verre et des éléments de construction du lot de ranch propre, notamment le toit, mais pas que, les murs aussi, étaient fort sympathiques. Mais par contre, après, on va voir, j'ai du mal à définir de quoi il s'agit très exactement. On a même ce qui pourrait s'apparenter à un abribus, en tout cas ici, à un kiosque avec des panneaux d'affichage. Vous avez un panneau sur les monstres de la Virginie occidentale. Vous avez des avis de recherche, hein, sur Bottle et Capi. Hein. Si vous trouvez Bottle et Capi, n'hésitez pas à appeler un numéro vert et vous pourrez toucher une belle récompense. Et par ici, regardez même la construction. Le style est assez sympa. Alors, le mur est un peu abîmé. C'est parce qu'il y a eu une attaque de calciné quand je suis arrivé. C'est sans doute ma faute. C'est moi qui ai dû les faire arriver. C'est pas réparé et j'ai pas ce qu'il faut pour le réparer. Mais vous le voyez, il y a un usage de double mur avec une forme géométrique triangulaire en plein centre, du bois lambris à l'extérieur, et puis c'est doublé donc avec le lot de construction du ranch propre. Vraiment bien fait. Et puis vous avez cette haie qui fait vraiment tout le tour. Elle est posée en bordure des fondations. Vous avez un autre bâtiment avec des piliers blancs là qui soutiennent le toit. Vous avez tout ça. Regardez derrière, vous avez même une autre entrée, hein. Entrée pour les piétons avec le portail en haie ici. La benne à ordures pour les poubelles. Vous avez des toilettes également par ici. Deux chantiers, toilettes provisoires, hein, Fallout 76. Une autre idée des toilettes à moitié glitchées dans le mur. Et on a presque fait le tour de ce mini complexe. Et regardez, vous avez l'allié du camp qui est dans une magnifique tenue. Vous avez un mannequin qui a exactement la même tenue, chapeau en paille, beau pantalon et tout, de la belle époque. C'est vraiment très bien fait. Par ici, à nouveau la structure d'ailleurs en triangle pour le mur avec les fenêtres. Donc on est raccord des deux côtés. Là, vous avez le côté où c'est encore entier. De l'autre, c'est abîmé. Mais là, vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment pas mal. La trapounette d'abri ici avec l'affiche du New Home Shelters à côté et un mannequin avec une combinaison Voltec formidable surmontée d'une tête. C'est un masque, c'est un masque de Voltboy. C'est top. J'aime vraiment comment c'est fait. Maintenant, le vrai problème, je vais vous dire, je vais passer en dessous de la... Je peux pas passer en dessous de la barrière en plus, donc il faut que je passe par-dessus. Hop, j'enjambe. Non, avant de venir au problème, encore la dernière chose qui est vraiment très bien faite, c'est le parking. Vous avez dalle en béton, donc qui fait toute la chaussée, on va dire, et vous avez dalle en béton sur le côté légèrement surélevé, ce qui correspond en fait au trottoir. Vous avez donc en plus un mini trottoir comme ça avec cendrier et poubelle publique et l'allié du... Enfin, le mannequin, c'est pas l'allié, là c'est un mannequin qui est à cet endroit-là près du parking. Et regardez ce parking, regardez-moi ce parking. Alors je n'arrive pas trop à savoir, j'ai du mal à deviner avec quoi c'est fait. Si vous avez l'information, qu'est-ce qui a été glitché dans le sol ici pour faire les marques au sol qui délimitent les places de parking,
vous me faites signe, ça m'intéresse. Je vais repasser en mode paparazzi pour qu'on le voit bien. Vous avez comme ça 4 places de parking qui sont clairement et nettement identifiées. Sur l'une des places de parking, vous avez une carcasse de voiture, bien sûr. C'est ce qui fait partie du lot mécanique de cette semaine, avec notamment l'établi d'armes qui est sous forme également de pont automobile, avec une belle voiture, la même que celle-ci, mais en meilleur état et couleur bleue et jaune Voltec. Mais on va commencer à en voir, on en a vu dans une allée de garage notamment, on va commencer à en voir des carcasses de voiture comme ça un peu partout. Donc le parking est vraiment très très bien fait. J'arrive pas trop à savoir vraiment ce que c'est, parce qu'en plus il n'y a pas d'interaction avec l'item comme je m'approche. Alors du coup j'ai un gros doute. Si vous avez une proposition, si vous savez en quoi c'est fait, si vous avez deviné ou compris, laissez-moi un petit commentaire que je puisse comprendre moi également. Et puis alors, deuxième chose qu'il faudra m'aider à comprendre, c'est ce que sont ces 3 bâtiments. Je m'attendais à immeuble d'habitation, enfin maison. Je m'attendais éventuellement à camping, parce que ça aurait pu être l'accueil d'un camping. Je m'attendais éventuellement à un motel, parce que le motel, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça aussi. Et finalement, ben non. S'agit-il d'un centre commercial ? C'est un peu étonnant qu'il soit complètement fermé comme ça, mais c'est l'hypothèse qui semble la plus probable quand je vais regarder de plus près de quoi il retourne dans les 3 bâtiments. Notez que je parlais qu'il fallait un garde-barrière. Le garde-barrière, il est là. Il est ici dans une magnifique tenue, un magnifique uniforme de policier, des Samaritains, fantastique, avec le drapeau américain qui fait très officiel juste derrière, et il est effectivement à proximité de la barrière, prêt éventuellement à la relever. Bon public, distributeur de cigarettes, et derrière ce passant, je rentre dans la première guérite, le premier bâtiment qui est ici, et là je vais trouver un bar, les enfants. Ça par contre, ça j'ai reconnu, il n'y a pas de doute, c'est un bar. Comptoir du Far West qui fait l'angle avec la machine de vente, le distributeur automatique en bronze, une chope de la semaine de la viande et une petite lampe Nuka-Cola, et puis là vous avez table, tabouret, verre en bois, façon un peu coquetier, et puis jeu de cartes et jetons de casino. Ça je vous l'ai dit, ça fait des semaines que je le dis, on va les voir fleurir, et c'est en train effectivement de fleurir un peu partout. Une vitrine pour normalement présenter des shops, mais elles n'y sont pas, et puis un tonneau dans le coin, parfait. De l'autre côté, deuxième table, toujours sur le thème du casino, toujours des cartes, toujours des jetons, et toujours 2 verres bien sûr, parce que les personnes qui sont installées ici, eh bien elles boivent un coup en même temps. Donc ça par contre, je suis rentré par là, moi j'ai dit c'est bon, c'est un bar, il n'y a pas de problème. C'est quand je suis allé en face que là d'un seul coup j'ai dit mais qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. L'autre mannequin, féminin cette fois-ci, et à l'intérieur on a des œuvres d'art ou tableaux au mur, 2 masques d'arbres contemporains et 2 tableaux pour être exact, un globe de Mars par ici, une armure, serait-ce une brocante, je ne sais pas, possiblement. Possiblement une brocante. Vous avez trophée de poisson ainsi que buste en marbre sur des tables plutôt dans le style de Wellspring posé devant la vitrine. Et puis le comptoir ici, il n'est pas fait avec le lot de comptoir du Far West. C'est uniquement un meuble à étagère qui est retourné, avec de nouveau une caisse enregistreuse et un buffet dans le fond, avec encore des items dessus, notamment une map monde préservée, une trompette. Et oui, il y a une trompette, un drapeau américain et un petit chat qui fait la veille. Ici, si un client arrive, vous pouvez éventuellement être servi par le chat noir animatronique, et oui. Enfin, il va surtout vous dire sorte d'ici et reviens plus tard. C'est surtout ça qu'il va vous dire. Alors peut-être, oui, peut-être une petite, un brocanteur, une galerie d'art. Et puis alors en face, la dernière maison avec des éléments de patio porche. Et puis vous avez une ferme à verre par ici qui est purement cosmétique, qui ne sert à rien, ça tire. Le proprio vient de rentrer. Et puis dans la boutique, les enfants, derrière cette porte sécurisée, grillagée, vous avez un autre comptoir custom avec ses éléments de meubles étagères retournés. Vous avez de nouveau la caisse enregistreuse. Et par ici, vous avez des plantes. Vous avez des plantes vertes, vous avez des cactus, vous avez des flamants roses qui broutent ici. Serait-ce une herberie, oui, je sais pas. On est peut-être arrivé chez Truffaut ou chez Jardiland, je sais pas. C'est possible, ça doit être ça, parce que je vois des jonquilles également sur les étagères. Je me fais mon opinion en même temps, je sais pas quelle est la vôtre. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon interprétation. Mais du coup, ce serait donc quand même bien une espèce de centre commercial. C'est un mini centre commercial, vraiment mini, à 4 places de parking et une barrière. C'est dans ces cas-là, si c'est un centre commercial, je comprends pas la barrière à l'entrée. Ou alors c'est pour payer le parc-mètre. Ah, c'est peut-être parce que le parking est payant. Du coup, forcément, il y a besoin en plus d'avoir un gardien pour encaisser l'argent. C'est tout à fait possible. En tout cas, on peut ressortir de l'autre côté aussi. Voilà, comme ça, je ressors.
Vous avez l'allié du camp qui est en train de jouer de la guitare, hein, vous l'aurez reconnu, c'est le colon vagabond. Et puis on a fait le tour. Il y a également des lampadaires, les enfants, hein, pour la lumière, si jamais vous venez retirer des produits de nuit. Et puis, ah bah oui, le parc-mètre est là, j'ai rien dit, ça y est, je viens de le voir. Ah oui, le parc-mètre est là. Donc le gardien est juste là pour vérifier qu'on a bien payé le parc-mètre. En tout cas, moi, les enfants, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a fait un très très bel effet. La déco dans les trois guéris, dans les trois bâtiments, dans les trois boutiques est un peu minimaliste, je pense, je trouve. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le style, vraiment, avec la haie qui fait tout le tour, la chaussée, les trottoirs, les places de parking customisées et même le style, hein, architectural des trois boutiques, qui est un petit peu différent, mais j'aime beaucoup celui-là, là-bas. C'est vraiment, vraiment plutôt pas mal. Moi, je vais ressortir, les enfants, hein, par ici, parce qu'on n'a pas terminé. Il nous reste encore... on m'a bouffé de la bille de chaumenu. Ah, je l'ai loupé. Bon, pardon. Je ne veux pas gâcher mes munitions, excusez-moi. Je vais descendre dans l'entrée de la salle de maintenance de l'abri pour voir si nous aurons un gymnase mal éclairé ou si nous aurons une construction... Oh non, c'est une construction plus complexe, plus complète que cela. C'est même un hub, les enfants. Oh lolo, c'est un hub. C'est un hub. Vous avez des numéros 1, 2, 3. Et là, on a, ça nous dit, Vault Studio. Ce sont des studios, visiblement. Hein. Residential, Overseer et le troisième dans le fond qui doit être l'actuel ici derrière la porte de fournaise de Pittsburgh. Ça fait vraiment vieillot. Je sais pas où je vais à la cave. Hein. Je vais à la cave. Ah oui, ça a été reproduit avec le lot de construction de la mine abandonnée. On a une galerie comme ça qui ressemble plus en effet sans doute à une vieille cave ou un vieil appentis comme ça fermé qui doit sentir le moisi, le renfermé, le vieux bois. Des étagères métalliques rouillées. On a remisé ici les items d'Halloween. On a tout un tas de Capharnaüm, d'items qui sont placés là, abandonnés. C'est génial, je vais me remettre dans la pénombre. Parce que ça doit se vivre dans la pénombre, ça, ici. Regardez, des tableaux empilés contre le mur, des vieilles caisses, quelques bougies. C'est une remise. C'est vraiment une remise. Et je trouve... Mais je ne vais pas vous décrire en détail en vous faisant la liste à l'après-verre des items, mais c'est vraiment bien fait. Il y a juste, au niveau des luminosités, vous avez vu les petites bougies, là, il y a la lampe à pétrole, il y a tout un tas d'items qui sont rangés. C'est une remise et ça fait mes vrais... Il y a des fois, les gens jettent les items un peu au hasard en se disant « ça va faire vrai ». Non, ça fait pas toujours vrai. Même moi, ça m'arrive. J'y allais, on va essayer de faire des étagères, on met les choses un peu de travers. Un peu... Ça fait pas toujours vrai. Je sais pas quel est le petit plus qui fait que ça rend si bien, mais on a vraiment l'impression d'y être. On a vraiment l'impression d'une remise où les items ont été placés, empilés, disposés de manière naturelle, comme ça serait dans une vraie remise. C'est vraiment très, très bien fait et j'aime beaucoup le côté très pénombre. Il y a la petite pièce dans le fond, là je vais rallumer un petit peu. C'est des... Oui, wow, c'est peut-être pas obligé, c'est des cercueils. Voilà, ah ouais. Ouais. Il y a bien des ampoules de cage, mais je suis pas sûr qu'elles soient allumées, elles sont pas alimentées. Et je pense pas que ce soit fait pour, justement. On a l'impression que peut-être les ampoules ont été claquées, ou alors il faut activer l'interrupteur. Non, ça ne change rien, mais c'est pas grave. On a un cadre géant, je vais l'ouvrir, et derrière, regardez, ah, c'est un tripot clandestin, les enfants! Oh, c'est génial! Et ils sont attablés en train de jouer aux cartes tout en mangeant et en buvant. Vous avez des fruits qui ont l'air d'être disposés dans une assiette, je connais pas cet item, mais c'est sympa, vous avez les cartes, les jetons de casino, une chope de la semaine de la viande, le tableau avec les ratopes qui jouent aux cartes, et justement, ici ce sont des peluches, vous avez des Mister Trognon, notamment les Mister Trognon de la saison actuelle sur Nuka Cola, également Silver Shroud, Grognac le Barbare, et ils sont là en train de jouer au poker sur des tabourets, juchés sur des tabourets autour de cette table. Dans le fond, c'est génial, j'adore. C'est super bien fait. Vraiment, la remise est exceptionnelle. Et la petite scénette au bout est fantastique. Alors, l'entrée de mine abandonnée, elle est fermée. Mais je pense que c'est juste pour faire... vrai, vous voyez, ça fait passage qui est hermétiquement fermé, qui est barré de planches et cloué comme ça pour empêcher qu'on passe. Je pense que c'est purement figuratif. L'usage de l'item, c'est pas du tout parce qu'il faut aller regarder le camp derrière. Qu'est-ce que c'est bien fait. J'adore cette remise. J'adore vraiment. J'ai beaucoup aimé ce qu'il y avait à l'extérieur, même si je comprends pas forcément tout. Mais là...
C'est extraordinaire. Et puis alors, si ça dépop pas les enfants, je pense que si ça dépop pas et que les autres abris sont du même acabit, on devrait se retrouver demain pour la suite de cet épisode. Donc entamé ici, je verrai bien si ça dépop, bah, peut-être pas. Si c'est moche, peut-être pas. Si c'est pas fini, peut-être pas. Mais là, mon petit doigt me dit que c'est quand même un projet qui a l'air d'être bien avancé et bien abouti. Vous me direz ce que vous en avez pensé sur le camp, sur les abris. Vous pouvez bien évidemment utiliser le pack YouTube, pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire comme d'habitude. Moi, je vais vous faire tout plein de gros poutou. Bon courage à ceux qui reprennent le boulot aujourd'hui, en ce lundi, bien sûr. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, parce qu'il y en a en France qui sont en vacances en ce moment, c'est les vacances scolaires. Mais puis je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin pour un nouvel épisode d'Un jour un camp. C'était Papy on live from the Appalaches. À vous les studios. Ciao.